Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Huy-des-Pointes, je suis dirigeant de Soudax Équipement, une entreprise industrielle membre de la French Fab, basée à Épône, dans les Yvelines. Alors, Soudax Équipement est concepteur et fabricant de matériel de soudure par résistance. Qu'est-ce qu'un matériel de soudure par résistance? C'est un générateur de courant et une tête de soudure, par exemple. C'est des produits qui répondent aux problématiques les plus pointues des industries manufacturières en France mais aussi à l'étranger dans des domaines d'activité très variés qui peuvent être l'aéronautique, les équipementiers automobiles, le biomédical, les équipementiers électriques et plein d'autres. On fabrique ces équipements ici à Épône, dans les Yvelines, mais on exporte jusqu'à 50% de notre chiffre d'affaires en dehors de nos frontières, jusqu'en Russie, en Chine et aussi bien sûr en Europe. Soudax, c'est une société qui a 48 ans. 48 ans à Épône, toujours basée au même endroit, dans les Yvelines. Moi, j'ai eu ma première expérience chez Soudax il y a 20 ans. Et 5 ans après, j'ai eu l'occasion de reprendre cette société. J'avais eu un truc. J'avais toujours adoré le produit, le métier, les clients. Et quand j'ai eu cette occasion, je me suis lancé. Aujourd'hui, ça fait 15 ans et je ne regrette pas une seconde. Alors, la vie d'entrepreneur, c'est jamais super facile. Mais aujourd'hui, de travailler dans l'industrie, de créer les produits de demain pour l'industrie de demain, et ben ça motive tous les jours. Le recyclage, on essaye aussi de le faire en local. Grâce au programme Recyter qui est porté par la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, on a été mis en relation avec une industrie locale au Mureau qui s'appelle Tous les Coussinets, qui a besoin de cuivre. Et bien du coup, le gisement de cuivre qu'on a part chez eux et nos déchets font juste Épône les Mureaux. Grâce au programme Recyter, on a trouvé aussi une solution pour recycler nos D3E industriels. Alors évidemment, on a comme chaque industrie des PC, des écrans à recycler, mais on a aussi les composants de nos machines, par exemple des cartes électroniques, des condensateurs, des résistances, enfin, plein d'éléments que nous devons recycler, et Recyter nous a mis en relation avec une entreprise du territoire.